Là, normalement, on devrait m'entendre distinctement. J'ai pas besoin de forcer ma voix. Enfin, normalement. Attends, je fais un peu coulisser le micro, histoire d'avoir une meilleure portée près de la bouche, j'ai pas à le tenir. Ah, je prends de ces dispositions pour avoir de la qualité. C'est la folie. Alors, pardon, je pensais. What? Je sais même pas que je pouvais faire sur les deux écrans en même temps. Je pensais la dernière fois que j'allais reprendre ma partie et en fait je sais plus pourquoi. Ah oui, si, j'ai été interrompu par mon cher ami FunFan qui m'a fait une piqûre de rappel au niveau de l'agenda et m'avait prévenu qu'en soirée je devais. Un grand plaisir pour moi de modérer sa chaîne. Et j'avais complètement oublié qu'il avait programmé un direct. Ce qui fait que j'ai dû chambouler en catastrophe le restant de ma journée. Et j'ai arrêté de jouer, quoi. Forcément, j'avais plus de temps de dispo. Alors que je pensais avoir la soirée peinard pour moi pour faire mes bricoles, mais non. Enfin, pas toutes les bricoles. Enfin, voilà, quoi. Voilà, c'est pourquoi on reprend à l'épisode 16, hein, puisqu'on est la semaine suivante, vie réelle, par rapport à mes enregistrements des chroniques de Gwendoline dans Oblivion. Je vérifie plusieurs choses, pardon si j'ai la voix hésitante, mais là, je reprends mes repères et je regarde comme quoi tout est opérationnel. Bon allez, on se lance. Suite de l'aventure. Thank you.
Oh non! Je porte de trop lourdes charges. Oh putain, du coup, 227 sur 135. Non, c'est la malédiction du poids là. Faut que j'attende. Faut que j'attende. J'allais dire, mais c'est quoi ces chiffres de masse? Ça va pas, non? Ah non, ça passe pas. Non! Ah, ça va. Là, il y a 2 kilos de trop. Eh ben, je peux pas. C'est là où je dois faire jouer mes potions. Encore que je suis pas. Ah, peut-être la dague en acier, ouais, qui vaut peut-être pas le coup. Mais sinon, j'ai pris des trucs qui sont pas intéressants, peut-être. Je ne suis plus, je suis perdu, je l'ai dans le U. Ah oui, la pince, mais je m'en moque. Je m'en moque. Tiens, c'est à moi de sac, quoi. Voilà. J'en perds mon latin, je ne sais plus, je bafouille. Je sais pas, le reste j'ai pas. Ouais, bon. Ouais, je suis toujours trop lourd. Mais là je vais faire voilà. Nickel. Ça c'est la vie. Yeah. Encore que là, pour le coup, je peux quitter la vie à fond et puis refaire le plan. Je pense que je peux rentrer dans les pierres avec. Mais le poids, toi, 48. Il me dit que je porte trop de charge. Oh là là. Il n'a pas ça. Ah, bouclier de feu, ouais, ça serait stylé. Engrais osseux, non. Non, par contre, le sel de feu, si je peux en faire des regains de magie, ce serait bien. Ouais. Ah. Ouais, c'est ce que je veux. Si je fais ça, il y a des problèmes. C'est que j'ai pas fini de détruire, enfin de comment dire, de piller, de faire mon vilain, j'ai pas fini. Ah oui, non, là il faut que je change de question. Oh là là là, j'ai même pas vu que mes
Ma tenue était complètement défoncée. Oh là là. Non mais la tu... La tunique, je vais la larguer, je m'en fous de la tunique. Il est où mon sac là? Celui qui tombe du cavage général là. Attends, minute papillon, la tunique, je la largue, je vais pas la garder. Je savais plus comment on sauvegarde, mais ah c'était pourquoi? Ah mais non, j'ai pas gardé une touche, je crois. Non, merde, je sais plus. Ah c'était ça. Et ça me revient. C'est vrai que j'avais changé ma config. Alors là, il y avait une serrure à bidouiller. Ah bah. Qu'est-ce que je fais? Moi j'ai. Oh. Je suis partagé. Est-ce que je referme cette porte de Riven, ce qui fait que je vais avancer ma quête principale? Mais j'ai pas fouillé les endroits, les cadavres, j'ai pas fait de récolte. Mais le problème c'est que j'ai quasiment plus de place dans l'inventaire. Ah, c'est chiant ça. C'est chiant. Ah, c'est pas cool. Ça manque. Non, c'était tout en haut. Ça va peut-être ne pas marcher, mon truc. Plume. Ah, 25 points, ça suffira pas là, mais elle en fait 40. Non, ça va pas. Et puis je peux pas me faire une potion de plume dans ce que j'ai, non? Dans plume, y a pas. Attends, lumière brisée. Ah si j'ai. Ah la graine de lin. Mais décidément la graine de lin elle fait tout. Rien de magie. Plume, bouclier, réduction de santé. Bon ça c'est dommage mais. Oh là là. Ah dommage. Non non je peux pas. Je peux pas. Ah je suis bien.
Voilà, qui est fini, comme le chantait Jean-Louis Aubert. Alors, quête mise à jour, percée du siège de Xvat. J'ai refermé la porte en m'emparant de la pierre sigillaire qui l'ancre à Oblivion. Il faut que j'aille prévenir Salvian Matthews que la voie est libre. J'arrive plus à trouver le sommeil. Quand je m'allonge et que je ferme les yeux, les images se bousculent dans ma tête. Vous avez fermé la porte? Je savais que vous réussiriez. C'est le moment de lancer une contre-attaque. J'ai besoin que vous veniez avec nous. Vous avez beaucoup plus d'expérience au combat que ces hommes. Pouvez-vous vous joindre à nous maintenant? Je peux attendre, mais pas trop longtemps. Nous devons faire vite, avant qu'ils aient une chance de barricader la porte de la ville. Pour Kvatch! Je reviendrai plus tard chez le cheval. Aïe! Je suis entré dans la ville de Kvatch avec Sval, Mian, Mathus et ses hommes. Nous sommes entourés de ruines. Nous devons nettoyer la place sud avant de pouvoir sauver les survivants qui se trouvent dans la chapelle. Venez, pour Kvatch! Oui. J'ai la guerre. Il est en paix, là. C'est terminé! Allez, mourir, bon sang! Et ses hommes à reprendre la place sud. Faut que je décide avec lui de la suite des opérations. Putain, tu m'étonnes. Ah mais j'ai niqué mon épée. Ah oui, elle est niquée. Ok. Ça c'est violent les combats en Oblivion. Ah, je vais prendre une PC quand même. Allez hop. Bon bref. On fait quoi chef? Alors. Oh. Il a des flèches dans le dos. Attends, faut que je retire mon casque parce que avec l'effet de vie on voit plus rien mais c'est rigolo. Je vais plus de neige. Mais non mais. Mais pourquoi je vois encore avec la magie du démon là, pourquoi je vois encore en vie? Nous avons écrasé ces ordures. On peut sortir les gens de la chapelle en toute sécurité. Entrons pour vérifier qu'ils vont bien. Oui, bah. Venez, la bataille de Kvatch ne fait que commencer.
Ouais. Nous pourrons discuter de la phase suivante une fois que les civils seront en sûreté. Au rapport, soldat. Il n'y a plus que nous, monsieur. Berichignan, moi-même et ces quelques civils. Ça y est ? Il n'y a plus personne ? Il y en avait d'autres, monsieur, mais ils ont refusé de rester tranquilles. Nous avons essayé de les convaincre que c'était dangereux, mais ils sont partis quand même. J'imagine qu'ils ne s'en sont pas sortis. Très bien. La zone autour de la chapelle a été nettoyée et tous ces gens doivent être mis en sécurité. Escortez-les immédiatement jusqu'au camp situé au sud d'ici. Mais monsieur, je veux vous aider au combat. Vous ferez ce qu'on vous dit, soldat. Une fois qu'ils seront en sécurité, revenez ici tout de suite. Nous aurons bien besoin de toutes les lames disponibles. Et il y aura largement de quoi se battre. Oui, monsieur. Les civils, il est temps de partir. Allons-y. Ah, ces flèches disparaissent. Ah, c'était drôle. Monsieur Porc-Épic, je vais l'appeler comme ça. On a réussi. Incroyable. Je ne pensais pas que ça marcherait. On a peut-être une chance de gagner. Oh oui, ce n'est pas fini. Loin de là. Ce n'était que la première étape. Si nous voulons reconquérir cette ville, nous devons entrer dans le château. Vous nous avez accompagnés jusqu'ici. Voulez-vous aller plus loin? Si nous voulons vraiment réussir, votre aide ne me suffira pas. Loin de là. Je vous préviens, tout ce que nous avons traversé n'est rien en comparaison de la bataille qui nous attend. Prenez le temps de souffler et de réfléchir. Quand vous serez prêt, prévenez-moi et nous nous mettrons en route. Bah, je vais d'abord réparer mon équipement. Batch est fini. Il ne reste plus rien. Ouais. Je vais réparer mon équipement, je vais... Oh, y'a rien qui me donne de la santé, bande de saligots. Bande de radins. Allez, je joue chez vous, grâce à la foi, votre tourment. Ah voilà, j'ai récupéré ma vie, merci. Ah, cool. Donc, 30 sous. Qu'est-ce qu'on fait? Nef de la chapelle. Ah ouais, j'ai pas le droit d'aller dans la crypte. Dans la nef. Ah bah oui, mais c'était leur chambre de réserve. C'est vrai, j'avais zappé. Oh, je vais faire un petit... Attends, 9h de l'après-midi. Ah bah, je pourrais même dormir, tiens. Je crois qu'il y a un forgeron en contrebas. Mais dodo. Dodo, parce que j'ai gagné une grande bataille. Donc je m'offre une grande nuitée. Ah,
Un de ces jours, je vais finir par en renverser un cheval. Je sens que j'aurai un accident de circulation. Je sais de quoi vous parlez. Je suis lasse. Je n'en peux plus. Il faut que je recommence à zéro. N'abandonnez pas surtout. Nous sommes là. Et puis, les chapelles et le conseil des anciens vont nous aider. Vous avez fermé la porte. Oui, la première bonne nouvelle depuis bien longtemps. Merci de réparer mon matos. Je peux tout remettre à neuf. Ce n'est qu'une question de... J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil, aux prix les plus compétitifs. Je pense pas que j'ai quelque chose à te vendre. J'ai pas mis ma tenue de marchandage. Reste tombé. À bientôt. Mon Dieu, on ne le remarque même plus. Comme quoi, on s'habitue à tout. J'ai de la chance d'être encore en vie. Merci. Gvatch est plus en sécurité. Maintenant que vous avez fermé la porte. Ouais, c'est bien. Ah, je vends des potions, ainsi que tout le nécessaire pour en préparer soi-même. Qu'est-ce que ce sera? Bien. Vu tes tarifs et ton matos, ce sera rien, ma grande. Encore que, attends, moi je peux peut-être lui en vendre. Attends. Adieu. Non, pas adieu. Minute, ma grande. Attends, qu'est-ce que je peux lui vendre? Je rejoins le militaire pour faire la suite de la bataille et patater dans le château fort. Je suis lasse. Je n'en peux plus. Il faut que je recommence à zéro. Oh, enfin le ciel normal. Avec la porte d'Oblivion pétée, il n'y a plus le ciel de fou là, où j'habite. On va pouvoir reconstruire. Vous êtes prêt à partir? Nous avons besoin de votre aide pour aller jusqu'au château. Mais nous devons faire vite. Ouais, on y va, allez go. Je savais que vous seriez partant. Notre objectif est la porte du château. On devrait pouvoir utiliser cette porte pour accéder à la place qui se trouve devant le corps de garde du château. Vous connaissez la marche à suivre. Restez ensemble et gardez les yeux bien ouverts. Partons ! Sans ordre.
voulais juste... Dégagez, saignez. Voilà ses puissances. Merci. Ah, ils sont chiants. Mais voilà, c'était sûr. On en fait quoi des cœurs de Drimora là ? De Daedra, pardon. De Drimora. Je lâche la dague en acier. C'est dommage quand même. Déjà, ce que je peux faire, c'est recharger ta vie. L'autre, il s'est allumé, littéralement. Oh putain, c'est horrible, je l'avais pas vu.
solution pour rien. Tant pis. Nous devons aller jusqu'au château. Ouais, mais pour qu'on passe de... Ok, en fait je suis fait comme un rat. Je suis condamné à moi parce que je peux pas bouger, je peux pas réparer mon matos. Donc ça va pas là. Nous devons aller jusqu'au château. Oui, mais il y a un passage dérobé, à coup sûr. Donc moi, du coup... Je pas dans. Si, je pense que je suis pas maintenant. Là-bas, il y a... Thank you.
On va aller dans les rues ensemble. Là, je peux pas trop bien avec. Ou pas. Ah non, il va falloir leur faire la paix. Mais c'est peut-être parce que j'ai les paix en main. Ah non. Mais non, mais c'est nul. Mince, ça ne va pas. Les portes sont fermées à clé, et on ne peut les ouvrir que de l'intérieur du corps de garde. Ah oui, mais là, Martin d'ailleurs. Oui, je l'ai pas vu, Martin, il est en sécurité. Il doit être dans le camp quelque part. Il était avec les survivants que nous avons sauvés de la chapelle d'Akatosh. Oui, c'est vrai, je pensais même plus. Mais bon, les portes du château. On ne peut pas ouvrir cette porte d'ici. Le seul mécanisme qui permet de la soulever se trouve dans le corps de garde. Maintenant, pour rejoindre la porte, nous devons emprunter le passage du bâtiment nord des gardes, mais il est toujours fermé à clé. Dépêchez-vous d'aller voir Berichignal. Vous le trouverez normalement à la chapelle. Vous devrez avoir la clé du bâtiment des gardes. Ah. Une fois que vous aurez la clé, rendez-vous au bâtiment des gardes. Trouvez le passage et ouvrez la porte. Nous pourrons alors entrer dans le château et nous en rendre maître. Nous avons vu la fumée qui provenait de la route d'or. En quoi pouvons-nous vous aider? Ah, c'est cool! Ah, suivez-moi, s'il vous plaît. On vous suit! Merci. J'attends que le capitaine Matthews donne l'ordre. Enfin une chance de riposter. Oui, mais on a besoin d'une clé. C'est ça le problème. Ah, et avant, le père Martin, tu sais où il est? Je ne l'oublierai jamais. Ce soir-là, il a sauvé un maximum de personnes. Ah, si seulement ils avaient accepté de rester avec nous à la chapelle. Je comprends pas. Il est en sécurité ou il est mort? Non, je comprends plus rien. Bref, les clés du bâtiment des gardes, je te prie, qu'on accède au château. Oui, je l'ai. Pourquoi? Bah, on a besoin d'accéder au château. C'est exact. Ils ont réussi à fermer les portes du château juste avant qu'on entre. Vous allez en baver, mon ami. Vous allez avoir du mal à vous rendre au bâtiment des gardes par vous-même. Je ferai bien de vous accompagner. Nous allons devoir passer par la crypte de la chapelle, puis traverser ce qu'il reste de la ville. Si jamais je meurs, prenez la clé et continuez sans moi. Il faut que vous vous rendiez dans la tour au nord de la ville. Eh bien...
Attends. Ah, j'ai flippé un peu. Ah, voilà pourquoi j'y avais pas accès. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, mais il m'a fait peur, des guillons, il est fou, lui. Ah oui, d'accord, mais c'était là-bas. C'est là que vous vous effondrez et que vous vous viserez. Je suis de votre côté. Oui, je sais. Mais il y a des coups qui se perdent, je suis désolé. On est à l'étroit ici en plus. Ah, ah oui, vous me suivez vraiment, donc je peux plus rien shipper. Oh merde. C'est blaze. Ah oui, on remonte. Non, non, non. Faut qu'on suive. Oh mon dieu. Je suis perdu. Où c'est vous? Je ne sais plus où je vais. Où sommes-nous? Où allons-nous? Ah, c'est des dalles. Merde, mon escorte est morte. Ah, ça craint. Hop là, j'ai un pont dans la chapelle, moi. Je suis un trouillard. Attendez, minute papillon, et oh, faut que je marche. Ah oui, y'en a plus qu'un sur les trois, merde. Ah, pas cool. Encore vie. On y croit, courage. Ah, il y avait un franchement. Dans les fausses méfies, il s'est monté un peu. Permis. Ah, c'est bien.
Gvatch pour faire Allez, il faut se dépêcher. Oui.
Sur cette cuisante défaite, je vais stopper pour le moment. Je vais marquer une petite pause parce que ça me rend fou. Mais c'est bien en même temps. Mais ça me rend fou.